Le plus dur, c'était l'enchaînement des nuits en tente. Parce que on dort pas beaucoup, on dort pas si bien. Forcément, on se réveille de plus en plus fatigué. Donc c'est ça le plus dur. Et puis le corps aussi fait que lui-même est de plus en plus fatigué, en plus de l'esprit. J'aime tout, même ce qui marche, ce qui marche pas. Je m'adapte aux circonstances, ce qui fait qu'un trek est un trek. Tout ne peut jamais se passer comme on le souhaite dès le départ. Ah, le pire souvenir, ça va être la sensation du sac à dos, que tu l'aies ou que tu l'aies pas. J'avais quand même un tiers de mon poids, un peu plus même, je pense. Je me suis un petit peu caillé les miches avec mon duvet de 20 degrés et la petite toile de tente été, mais je pensais que ça faisait partie de l'expérience. On va dire que sur certaines journées, ouais, je pense que j'étais au... Une ou deux journées où j'étais au point de... Genre chier ma race. Mais en fait, au final, je pense qu'il y a du reste encore. Il y a encore moyen de pouvoir faire mieux. On fait la même chose avec de nouvelles chaussures. Avec des chaussures, non, pas nouvelles, justement. Tu lèves la tête parce que tu es en train d'essayer d'avancer un peu avec tes jambes. Et tu lèves la tête et tu dis « Waouh, c'est joli !» Et qu'à chaque fois que tu lèves la tête, tu dis « Waouh, c'est joli !» Tu dis « Ça vaut le coup de le faire. » J'en rêvais depuis que Raphaël il en a mangé hier. Donc il a dit bah c'est dégueulasse. Là on attaque la survie. Bonjour tout le monde, on est au quatrième jour et regardez les mines épanouies qu'on a là. Beaucoup. C'était bien de changer de temps. Bah c'était un peu mieux au début, j'ai dormi quelques heures quand même. On est un peu en pente donc j'aurais été peu glissé vers la sortie. Genre, tu faisais la limace régulièrement pour remonter. J'étais un peu plus frais qu'au début. Mais ça va, j'ai eu le nez froid, c'est tout. Je pense que c'est dans ce sens. Place. Il n'y a qu'un rameur sur ce bateau. Ah, on va faire du relais, ça fait romantique. Ah. Allez, Malus. Bon. Tu vois le mouvement pour faire la manœuvre? Ouais, lui il a déjà chaloupé. Hein. Ça se sent qu'il est habitué. Hein. Ça sent le chaloupeur, ça. Petite balade avec Thomas. Le matelot. Avec ce petit soleil agréable, tant qu'il pleut plus, c'est tant mieux. Allez, on va aller voir le cygne. Pendant que les autres sont dans la barque, petit cours de pilotage pour Guillaume. C'est bon, on est mignon. Je connais pas la route, c'est pas facile. Je pense que l'image ne va pas être super stable. En tout cas, ça y est, on est bien en Écosse. Après 3 jours de beau temps, on est même plus habitué, mais il pleut. Et qu'on a tous sorti de notre plus bel apparat. Je pense que la magnifique, c'est le pan canard. C'est comme vous pouvez le voir, au fond là, Raphaël et Guillaume, ça y est, ils n'ont plus mal aux pieds et ils sont au taquet. Salut tout le monde.
demander un coup de main non plus, mais... Ah, je peux, hein, je suis à fond. Hop. Et oui, c'était hier que c'était la pause. Ouais, on va à droite là, c'est ça. C'est magnifique, on a bientôt fini de monter. Il reste plus que la descente. C'est gentil de pouvoir faire des acrobaties pour la caméra, mais t'es pas obligé. Hein. Premier sommet écossais. On vient d'atteindre un bon sommet. Alors ce qui est intéressant ici, c'est que c'est vraiment un paysage typique écossais. On est vraiment dans des espèces de steppes, c'est génial. Il n'y a pas de vraie piste, enfin il y en a une sur la carte, mais en tout cas, visible. Quand on marche, on suit surtout la piste des cervidés. Et ce qui est bien, c'est vraiment le calme qu'il y a, et puis l'apaisement, parce qu'il n'y a pas grand monde. Et on est dans une zone qui est quand même très jolie. Ils sont un peu dans le mal, mais ils y arrivent. Et demain, on dira, putain, on a fait ça. Sur le ferry, on dira, ah, on a fait ça. Et on a fait ça. Et on a fait ça aussi. Et on va oublier de faire ça, on y retourne. Bien sûr que je filme le chantage affectif. Ouais, c'est clair. C'est carrément du chantage affectif. Ouais, c'est clair. Ça y est, nous voici enfin à la plage. Alors le chemin n'est pas de tout repos parce que au final il y a quand même pas mal de zones qui sont forcément inondées, en tout cas qui sont gorgées d'eau. Mais ça vaut le détour, franchement. Arriver sur un littoral comme ça, donc on trouve. Donc on va profiter, on va longer le littoral et aller voir. Il y a un phare de l'autre côté. Les autres, du coup, ils ont préféré, parce qu'ils n'en pouvaient plus au niveau des cannes, du coup, ils ont préféré cibler directement le campement de ce soir. Et voilà, sûrement qu'ils vont se baigner ici de leur côté. Vous verrez s'il y a des images juste après, ça veut dire qu'ils ont réussi à trouver un coin sympa. Donc là, moi je suis avec, avec Thomas, puis on va. Je pense que pareil, on va piquer une tête et puis on va profiter. Ocean inside my head, waves that don't ever end. Beau, hein? Magnifique. This kind of beauty ain't ordinary. You look, but do you really see? Won't you take your time on me? We'll go dancing in the kitchen, you fall in my arms. Baby, won't you let your phone keep ringing? Are you thinking?
would you give your time on me? Oh, oh, oh. On me. Oui, les garçons. Coucou Anto. Bon, tu nous as pas encore assez épuisé, tu vois, parce que, enfin je dis ça parce que tu verras la vidéo à la fin quand ça sera fini. Et parce que regarde, on a été chercher du bois et on est presque trop facile. Donc ouais. On s'était dit peut-être qu'on allait vous rejoindre au phare, mais bon, après vous allez être fatigué, donc bah, j'espère que tu verras vraiment après la fin du trek. Quand même. On l'aura voulu ce feu de bois, les gars. Hein. Bon, on a le bois pour le feu. Les gigots sont en face de nous. Il n'y a plus qu'à. Ouais, je mets sur le bout d'herbe qui est juste devant la plage. Allez, un dernier mot pour Antoine et Thomas. On les aime fort. Ah ouais, ouais, vous êtes bien courageux les gars. Parce que nous, on est. Waouh, regardez, ça y est, la plage à gauche. C'est là-bas qu'on va dormir. Ah oh, ouais. Ah puis à demain matin, on se baigne et tout, trop bien. Ça fait du bien de poser le sac à dos, je vous le dis. Puis d'avoir une plage, c'est génial, surtout avec cette météo. Ouais, c'est ça, demain c'est le dernier tour de rando en fait. Et tiens Anto, on n'a pas ton ressenti à toi, t'as bon pas l'air d'avoir froid. Écoute, je suis plutôt pas mal en Écosse moi, le soleil ne tape pas trop fort, j'ai pas pris coup de soleil, juste au pif je pense. Après la boue, je t'avoue que ouais, j'ai mes limites, quand t'as une toute côte comme ça où tu t'enfonces jusqu'au genou, c'est pour ça que mes pompes sont crades. Mais sinon le spot est cool parce que du coup c'est exactement ce que je ciblais avec un point GPS, et après on sait jamais à quoi ça ressemble en vrai. Un joli feu de camp, on va pouvoir chanter Kumbaya toute la nuit. Et on a même Anaïs qui est... Alors, ah non, elle est pas en maillot de bain. Elle vient du ski. J'ai le pilou pilou en dessous. Et là, j'ai... Alors, une... deux... trois... quatre couches. Alors, oui, je crois clairement qu'on fait pas la même expérience. Voilà. Moi, j'ai et une couche bonnet. Et je m'arrêterai là parce que du coup, voilà, on est quand même en public. Je mettrai les gants plus tard. Du coup, moi, je pense qu'il faut deviner qui a raison, qui a tort. Attends, pour ça, faut regarder les tétons. Première fois que je fais le feu. Alors là, nous récoltons le mal. Enfin, nous, pas nous, mais eux. From 2021. That's for us in 2022. And we'll be about 5 to be there. Ça vous dit de dormir entre les moutons? C'est vrai? Ouais. Il t'a proposé, il t'a dit oui. Ils ont peut-être mauvaise haleine, mais tant pis.